mes semblables s'abattront sur Runeterra et détruiront tout. Nous vous consumerons, nous vous remplacerons. Pour chaque ville qui tombera, 10 seront construites. Pour chaque vie que nous prendrons, 1000 engeances du néant naîtront. Toute vie servira notre cause. Froide, calculatrice et sans cœur. Elle a déjà fait savoir ses intentions et les raisons de sa présence, donc pas besoin d'en savoir plus. Bienvenue dans le Focus sur Belvet. La compétence passive de Belvet s'appelle Mère de Lavande et elle est divisée en deux aspects. Tout d'abord, lorsque Belvet élimine des champions ou des grands monstres, elle cumule des effets Lavande, ce qui lui confère de la vitesse d'attaque permanente. Il n'y a pas de limite à la vitesse d'attaque qu'elle peut gagner, donc plus Belvet consomme, plus vite elle triomphera. Je purifierai ce monde. Après avoir utilisé une compétence, Mère de Lavande confère à Belvet un bonus de vitesse d'attaque pour les deux prochaines attaques de base qu'elle lancera. Elle peut en cumuler jusqu'à 6. Le A de Belvet est Charge du Néant. Il permet à Belvet de faire une ruée et d'infliger des dégâts à tous les ennemis qu'elle traverse. Elle applique aussi les effets à l'impact à la première cible qu'elle touche. Grâce à Charge du Néant, Belvet peut faire une ruée dans 4 directions différentes et chaque direction a son propre délai de récupération. Le délai de récupération dépend de la vitesse d'attaque, donc veillez à bien tirer parti de Mère de Lavande afin d'accélérer le destin inévitable de tous vos ennemis. Mon monde attend. Si votre estomac est vide, Charge du Néant ne vous permet pas de traverser les murs avec votre ruée. Plus de détails à suivre. En utilisant son Z, Projection Cinglante, Belvet donne un coup de queue au sol, ce qui blesse, projette dans les airs et ralentit les ennemis. Si elle touche un champion, Projection Cinglante réinitialise le délai de récupération de Charge du Néant dans la direction de ce champion. Belvet peut alors se rapprocher et achever sa proie. Disparaît. Avec son E, Maelstrom Impérial, Belvet s'immobilise et canalise une tempête de coups qui cible l'ennemi ayant le moins de PV. Cela comprend aussi les sbires et les monstres. Mais sachez que Belvet ne sera jamais une cible facile. Maelstrom Impérial confère également une réduction des dégâts et du vol de vie tout en faisant de plus en plus de dégâts en fonction des PV manquants. Au même titre que le délai de récupération de Charge du Néant, le nombre d'entailles dépend de sa vitesse d'attaque. Belvet n'est pas uniquement monstrueuse, elle a aussi une allure phénoménale et se comporte comme une véritable impératrice. Qui sait, peut-être nous invitera-t-elle à un délicieux banquet ou... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en danger! Terminons ce focus sur le champion avant de finir en nourriture pour poisson. L'ultime de Belvet est Banquet Infini. Le passif lui permet d'infliger des dégâts bruts toutes les deux attaques de base qu'elle lance sur la même cible. Ce passif est cumulable à l'infini. Les joueurs qui gardent la tête froide et abattent leurs ennemis un par un sont donc récompensés. Si vous changez de cible, alors votre cumul prendra fin, donc faites en sorte de choisir judicieusement vos proies. Comme vous l'avez déjà remarqué, lorsque Belvet élimine des champions ou des monstres épiques, cela génère des coraux du néant qu'elle peut consommer pour prendre sa forme ultime. Je saurai faire bon usage de toi. Une fois qu'ils auront été consommés, les coraux exploseront et infligeront des dégâts aux ennemis proches, tandis que Belvet recevra un effet lavande. Dans sa forme ultime, ses PV max, sa portée d'attaque, sa vitesse d'attaque totale et sa vitesse de déplacement en dehors des combats augmentent. Comme on l'a laissé entendre tout à l'heure, après que Belvet a rempli son estomac et révélé sa vraie forme, son A, Charge du Néant, lui permettra de traverser les murs. Tu n'as nulle part où te cacher. Vous vous demandez peut-être, est-ce que les autres êtres du Néant sont à l'abri de Belvet? Eh bien non. Si Belvet élimine un monstre épique du Néant et consomme les coraux, elle reçoit alors un ultime renforcé qui lui permet de garder sa vraie forme plus longtemps. Grâce à ses coraux, elle pourra aussi ressusciter les sbires qui meurent autour d'elle en rémora du néant, prêts à avancer sur la voie et dévorer les ennemis. Manger plusieurs coraux prolongera la durée de banquet infini. Consumer, grandir, recréer. Cependant, si Belvet reprend sa forme précédente, alors elle perd tous ses bonus et sa charge du néant renforcée. Lorsque vous jouez Belvet, soyez aussi calculateur qu'elle. Même si elle détient des millions d'années de connaissances, son corps physique est tout nouveau dans ce monde. Belvet est plutôt faible en début de partie, mais elle gagnera en force et en puissance au fur et à mesure qu'elle se nourrit. Je m'en souviendrai. Quand vous êtes dans la jungle, il vous faut dévorer autant de grands monstres que possible pour accumuler un maximum d'effets lavande. La forme ultime de Belvet lui confère un puissant bonus de durabilité.
elle est plus forte dans cette forme que dans sa forme normale. Surtout, n'hésitez pas à vous concentrer sur le farm jusqu'au niveau 6. Laisse-moi goûter à ta peur. En milieu de partie, essayez d'abattre le héros ou même le baron car ils rendront Belvette particulièrement forte. Son ultime durera plus longtemps et elle aura des Remora à ses côtés pour accroître sa puissance de push. Chaque parcelle de ce monde alimentera notre métamorphose. Difficile de se faire des amis quand on veut dévorer le monde. Il n'est donc pas surprenant que Belvette n'excelle pas dans les combats d'équipe, surtout lorsque Banquet Infini n'est pas activé. Cherchez des occasions pour faire du split push ou des escarmouches en un contre un, où vos proies, enfin vos ennemis, sont seuls. Pour chasser vos ennemis avec charge du néant et arrêtez-les à l'aide de projections cinglantes, ce qui réinitialisera le délai de charge du néant et vous aidera à vous rapprocher si vous en avez besoin. Poursuivez votre massacre avec des attaques afin de profiter au maximum du passif du banquet infini et une fois que votre cible n'a plus beaucoup de PV, lancez Maelstrom Impérial pour achever votre festin puis passer au suivant. Si vous êtes en difficulté, mangez! Ton courage perdurera à travers moi. Belvette représente tout ce que le néant a jamais dévoré. Son existence marque le début de notre déclin et sa victoire est assurée. Êtes-vous prêt à vous noyer dans ces eaux de lavande? Apprenez-en plus sur les compétences de Belvette en cliquant sur les liens ci-dessous. Le néant exige que j'existe, alors me voilà.